Rien ne va au Maroc. Pauvreté, chômage, hausse des prix, érosion du pouvoir d'achat, en plus de tous les autres maux sociaux. Corruption, clientélisme, injustice sociale. Les Marocains se mobilisent également contre le pass sanitaire. C'est le véritable quotidien des sujets du Makhzen. Le mécontentement est général et aucun gouvernement n'a apporté des solutions à la crise multidimensionnelle que connaît le royaume. Aujourd'hui, les manifestations se multiplient et on demande le départ du chef du gouvernement actuel et de tous ses membres. Nous devons tous nous mobiliser en tant que citoyens, en tant que Marocains, en tant que travailleurs, mais aussi en tant que journalistes et artistes. Nous refusons ces hausses vertigineuses des prix. Nous sommes tous contre les atteintes aux droits syndicaux. Les gens n'arrivent plus à vivre et ils font de la diversion en nous parlant d'élections et juste après, les prix grimpent. La hausse des prix des carburants qui se répercute sur les produits alimentaires de base. Le gouvernement connaît qui est derrière, mais il n'intervient pas. Nous n'allons plus nous arrêter. Notre combat se poursuivra jusqu'à la satisfaction de nos revendications syndicales et la baisse des prix. Ce n'est qu'un avertissement. هذا الانذار احنا هاد الوقفه خدتها نقابتنا لغلاء المعيشه والفرض الجواز اجباري هادو هما Nous avons organisé en tant que syndicat cette manifestation pour protester contre la cherté de la vie et contre l'obligation du pass sanitaire. La société marocaine est en train d'étouffer. La crise sanitaire a fait d'énormes dégâts et les gens sont touchés. Ils n'ont plus de revenus. C'est la pauvreté qui s'installe. Et puis les prix flambent. On n'en peut plus. وفي كورونا ما هما سادين وفي التالي كيجي هذا الارتفاع المهول للاسعار وهذا هو علاش حنا اليوم كناخذوا هذه الوقفه الاحتجاجيه hausse des prix, chômage et déni du droit syndical en plus de centaines de milliers de licenciements de travailleurs. La précarité gagne du terrain, les Marocains s'appauvrissent et nous en faisons partie. Plus de 400 000 travailleurs ont été mis à la porte et plus de 120 000 entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Et on voit que dans la loi de finances 2022, le gouvernement n'apporte aucune solution, ça ne l'intéresse pas. Et pendant ce temps, la pression de la rue se poursuit. واخر شي يمشي بحاله عطيني يا مناضل